Pourquoi avoir retravaillé aujourd'hui l'aspect réflexif de notre pratique professionnelle? Eh bien, pour trois bonnes raisons. Sous l'impulsion de notre ancienne responsable d'équipe, elle nous a demandé de retravailler notre concept avec l'appui de l'ARPI. Ce qui fut une bonne chose, car ce concept a été créé en 2008. Puis, nécessitant quand même un bon dépoussiérage, une dernière mise à jour avait été faite en 2012. Le temps passe, parfois vite, et il y a eu des changements, notamment au sein de l'équipe sociale, et il est primordial de suivre l'évolution de l'ORIF et surtout d'en avoir une trace écrite en tant qu'équipe sociale. De ce fait, il est important de redéfinir notre concept, notre fil rouge, notre ligne de conduite. Même si nous avons tous notre personnalité et notre manière de travailler, il est important d'être en adéquation avec les valeurs de l'ORIF. Notre challenge, comme la majeure partie des travailleurs sociaux, est d'essayer de rendre visible tout le travail qui est invisible. Notre concept est aussi un document de référence pour nos nouveaux collègues répondants sociaux, ainsi que pour les membres de la direction et nos collègues MSP ou enseignants. Et maintenant, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié.